Comment vivre en vacances toute l'année? Bonjour, ici Cédric et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne Cédric Bien-Être. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vivre en vacances toute l'année. En fait, c'est simple, je vais vous faire profiter du paysage en même temps pendant mon explication. Donc moi, j'avais un rêve un petit peu, tout le monde se foutait de ma gueule quand j'étais petit. C'était que je voulais être vacancier. En fait, quand je disais je voulais être vacancier, ça veut pas forcément dire que je voulais rien faire du tout de mes journées. Je voulais être vacancier, ça voulait dire que je voulais vivre sur des lieux de vacances, au bord de la mer, de la montagne, peu importe, mais là où on est en vacances, on prend le soleil, où on est bien. Et aujourd'hui, je vous fais profiter actuellement de la vue que j'ai proche de mon lieu de travail, parce que là, on est à deux pas de mon appartement. Donc là, on peut voir, je suis sur le barrage de Tignes, le gros barrage EDF. En dessous, on a le village de Tignes-les-Brevières où on peut encore skier. Ça, c'est plutôt cool parce qu'on est au printemps, il commence à faire chaud, on peut encore skier. Et là, derrière, on voit le petit village de Tignes 1800 qui est très, très, très mignon. Et donc, voilà, la seule astuce pour vivre en vacances, j'ai un petit peu galéré à la trouver. Quand j'étais sur Paris, notamment, je ne savais pas trop comment faire. Je prenais le métro, je prenais beaucoup de transports en commun. J'avais plus d'une heure de transport tous les jours pour me rendre sur mon lieu de cours ou sur mon lieu de travail. Et j'en avais marre. Et en fait, j'avais pas la solution de partir de cet endroit et de trouver comment être sur un lieu de vacances. Voilà, ça me coûtait une blinde et tout ça. Et j'ai trouvé la solution en ayant décroché un contrat pro qui m'emmenait sur une formation pour avoir du travail en tant que saisonnier. Donc saisonnier, du travail en saison, que ce soit à la mer ou à la montagne. D'abord en réception, mais ça peut être en restauration, enfin dans tous les secteurs qui touchent le tourisme. Et en fait, suis travailler dans le tourisme pour pouvoir vivre sur des lieux touristiques et se sentir en vacances toute l'année, surtout sur les jours de congé. Moi, sur mes jours de congé, je profite vraiment de la montagne, de pouvoir skier et je fais les activités en fait de quelqu'un qui serait en vacances. Donc voilà l'astuce pour pouvoir vivre en vacances toute l'année, c'est de trouver un travail saisonnier. Puis là, je vais essayer de faire le tour, de vous montrer l'autre côté en fait de l'autre côté du paysage. Hop, ça donne ça. Je sais pas au niveau du soleil ce que ça va aller. Ouais, si, c'est cool, ça passe quand même, c'est assez bien brillant. Et on voit le lac. Et voici après le type de paysage auquel vous pouvez avoir tous les jours dans votre quotidien quand vous êtes saisonnier. Et en plus de ça, vous profitez du soleil. Là, on est début avril et je profite à fond du soleil à la montagne, donc comme un touriste. Voilà comment j'ai fait pour être en vacances toute l'année. Il suffit d'être saisonnier. Je vous ai mis quelques conseils si vous voulez être saisonnier en station de ski dans le lien juste en dessous de la vidéo sur mon blog. Donc allez voir, il y a des conseils pour trouver un boulot en station de ski sous cette vidéo et pour comprendre le ski quand vous n'êtes jamais arrivé à la montagne. Mais ça marche aussi à la mer, hein. Je fais saisonnier à la mer en été, donc ça marche très très bien. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Vous pouvez vous abonner en dessous de cette vidéo. Ciao, ciao.